5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Écoutez Aligre FM 93.1. Bonjour, c'est Louise Vertigo au micro. Alors, ravie de vous revoir ce matin, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous propose un thème sur la respiration et le chi. Et une très belle rencontre avec un expert en respirologie, Edouard Stack. Et on va parler de son parcours et à partir, on prendra point d'appui sur un de ses livres, Les vertus de la respiration consciente, cultiver vitalité et sérénité avec la méthode Vital Respire. C'est un ouvrage qui est paru chez Très Daniel. Et l'émission est illustrée aujourd'hui par sa programmation musicale. On commence par un instrument qui fait respirer, un instrument zen, le shakuhachi. C'est donc le morceau On Shirabi de Akiku Nakimura. Thank you.
Bonjour Edouard, je suis Bonjour Louise. Je suis très honorée de votre présence aujourd'hui. Alors vous avez un parcours très très riche et est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question de la respiration? Alors, ce qui est important, c'est que je suis né en France dans une famille immigrée. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a apporté beaucoup de choses par rapport au corps et à la joie de vivre. Mmh. Et donc, je me suis intéressé assez tôt au corps et à la performance. Mais j'avais deux frères plus âgés qui étaient, eux, des champions. Et j'ai compris assez tôt que, moi, mon rôle ne serait pas sur le stade comme champion, mais plutôt comme entraîneur. Et donc, dès l'âge de 15-16 ans, je me suis orienté vers les études de santé. Et j'ai commencé à écouter mon corps et chercher à l'apprivoiser pour le comprendre mieux et m'en servir mieux. Et aussi commencer à soigner les autres. J'ai fait du massage sportif dès l'âge de 16 ans. Et j'ai ensuite fait des études de kiné. Mais l'intérêt pour comprendre l'être humain, comprendre le corps, a commencé vraiment au sein de ma famille. Et j'ai trouvé ma vocation en lisant Les mains du miracle de Joseph Kessel. Et ça m'a donné un cap qui continue encore aujourd'hui, plus de 60 ans après. Mmh. Donc vous êtes né dans une famille de sportifs, si je comprends bien. Et est-ce que je peux dire, comme le disait Carl Friedrich Graf Durkheim, vous savez, c'est cette image, le corps qu'on a, le corps qu'on est. Donc vous étiez dans une famille où c'était plutôt le corps qu'on a dans le sport, et vous, vous êtes orienté vers le corps qu'on est. Alors, c'est une bonne question et qui m'a frappé assez tôt, parce que j'avais en même temps des aspirations à comprendre les cultures dans leur dimension invisible, dans leur dimension spirituelle. Et j'ai eu la chance, entre 15 et 25 ans, d'avoir un mentor qui était un philosophe, qui avait eu une vie tragique. Il a perdu ses parents à la fin de la guerre, et lui-même était frappé d'une très grave maladie qui l'a handicapé. Et donc, lui était protestant et philosophe, et m'a vraiment guidé mon jugement, mon discernement. J'étais plutôt nihiliste et je voyais tout ce qui n'allait pas bien dans la vie. Et lui m'a interpellé en me disant « Mais qu'est-ce que tu proposes ?» Et en même temps, j'étais attiré vers le sport, la nature. Et dès les débuts de ma vie professionnelle, j'ai hésité entre « Est-ce que je fonce davantage ?» dans la dimension sportive et exploration de la nature, ou est-ce que je vais plus vers la quête spirituelle? Et puis j'ai décidé de mener les deux de front. Donc je suis devenu montagnard, marathonien, etc. Mais j'ai travaillé comme professionnel de la santé, puis de l'accompagnement. Mais j'ai rencontré Maître Deshimaru, qui a introduit le bouddhisme zen en France. J'étais encore étudiant. Et je suis parti au Japon l'année d'après. Et donc, je me suis intéressé à l'anthropologie des religions et des spiritualités tout au long de ma vie, et aux pratiques, et en particulier alors la méditation zen beaucoup, mais ensuite au tai chi et aux approches taoïstes de la conscience, aux approches psychocorporelles. Donc toujours ce mixte entre la réalité physique basique avec un corps de paysan du Danube, et puis petit à petit, j'ai même été haltérophile entre 16 et 20 ans, donc un gros bras. Et puis ensuite, la découverte du yoga, du tai chi et de cette fluidité, de ce relâchement qu'on peut obtenir, qui est comme une danse. Et comme j'aime bien aussi la danse, j'ai changé de type de danse. Entre le tamouret avec les vahinés en Polynésie comme jeune soldat et puis le tai chi ou la danse des derviches, voilà, ça fait les deux extrêmes. Et ben une belle énergie en tous les cas. Hein. Et est-ce que vous avez gardé la pratique de la méditation que vous aviez appris avec Maître Deshimaru? Alors, on va rejoindre le thème de la respiration. J'ai médité tous les jours pendant 5 ans, absolument tous les jours, à mon retour du Japon. Mmh. Et ensuite, j'ai enclenché avec le Tai Chi Chuan, que j'ai d'abord pratiqué assez régulièrement, puis enseigné massivement.
au point de faire des stages de 40 heures par semaine l'été. Et on est dans un état très particulier quand on bouge en tai chi pendant 40 heures dans une semaine. Oui. C'est très précieux. Et petit à petit, je me suis intéressé à ce que les Indiens appellent le karma yoga, le yoga de l'action quotidienne. Et donc, je me suis mis à me centrer sur l'observation de ma respiration, l'observation de la sensation dans mon corps, en mouvement ou immobile, en toutes circonstances à longueur de journée. Et donc, ma voix a été la voix de l'observation du souffle et de cultiver les modalités du souffle depuis 50 ans, tous les jours, à toute heure de la journée, quoi que je fasse, que je sois en train de travailler, en train d'être en vacances, en famille, faire des courses. J'ai développé cette conscience quasi constante de moi-même par le souffle et la conscience du corps en mouvement. Ouais, c'est très intéressant. C'est aussi le but de la méditation zen, hein, finalement, d'être présent à sa respiration dans la vie quotidienne. D'ailleurs, c'est ça. Deshimaru a écrit Zen et vie quotidienne. Hein. Alors, on en est au début de ce parcours si riche. En fait, on peut faire toutes les missions là-dessus, j'ai l'impression. Vous avez, à un moment donné, de ce que je connais de votre parcours, Edouard, rencontré Jean-Louis Barrault. C'est une rencontre qui a compté dans votre vie. Alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle officielle comme kinésithérapeute en montant à mon retour du Japon un cabinet avec ma future femme. Et en 75, un médecin référent rencontré par son frère qui était acupuncteur m'a demandé si je pourrais prendre en charge Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud pour être leur masseur privé. Et pendant 5 ans, 2 fois par semaine, j'ai été les masser à domicile avec ma table pliante. Et Madeleine était quelqu'un de très discret, mais absolument adorable, une grande gentillesse. Et Jean-Louis était comme moi plutôt bavard. Et on avait 40 ans d'écart, mais il se prêtait volontiers à la conversation. Et donc j'ai eu sur le théâtre, sur le jeu d'acteur, des conversations 2 fois par semaine avec quelqu'un que je respecte énormément. Et dans une relation très simple, très fluide. Et donc ça a été très enrichissant pour moi. Et dans mon livre sur les vertus de la respiration consciente, ce que je dis de comment créer des émotions avec un mode respiratoire, je l'ai appris de lui. Mmh. Ouais, c'est passionnant. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ensuite, vous avez développé une approche, hein, puisqu'on parle de cette méthode Vital Respire. Alors, il y a une étape préalable qui est importante, c'est que quand j'étais kiné, j'étais assoiffé de connaissances et j'ai étudié l'ostéopathie crânienne que j'ai pratiquée. L'acupuncture, j'ai commencé à l'apprendre au Japon, mais on a continué à travailler avec un groupe de collègues. On avait fait de la sophrologie, de la psychomotricité avec le docteur Soubiran, la femme du docteur qui a écrit les Hommes en blanc. Et donc j'avais une approche très riche et très globale de l'individu. Je fréquentais des groupes de psychiatres, de psychanalystes pour faire du psychodrame. Et donc j'avais une approche psychosomatique des problèmes des gens et pas du tout réductrice. Aujourd'hui, on a beaucoup de spécialités, mais on ne voit plus les gens dans leur globalité. Et je suis devenu psychothérapeute pour ensuite, dans le courant de la psychologie humaniste, prendre en compte le corps et l'expression de gestion des émotions qui n'était pas du tout connue à l'époque. Ouais. Goldman n'avait pas encore écrit ses livres sur l'intelligence émotionnelle et les médecins ne savaient pas trop quoi faire avec la vie affective. Les médecins généralistes ne savaient pas trop quoi faire. Et donc je me suis beaucoup enrichi en non seulement accompagnant les patients avec ces méthodes plus globales, mais je suis devenu assez rapidement formateur de psychothérapeute avec un groupe de psychiatres qui m'ont formé moi-même. Et en France et au Canada, j'ai pu former énormément de professionnels dans cette approche globale de la psychologie humaniste. Et du coup, ce que j'avais commencé à faire dans ma quête personnelle d'adolescent avec le sport, puis dans mon métier de kiné où je me suis occupé beaucoup de bien portants aussi, non seulement les personnes malades, handicapées, les petites vieilles avec leur rhumatisme ou les hémiplégiques à rééduquer. Mais j'avais aussi une clientèle particulière qui était des danseurs. J'ai eu une professeure de danse russe et j'ai pénétré le monde de la danse professionnelle. Donc j'avais des clients qui étaient danseurs. Et puis des comédiens et des sportifs de haut niveau. Donc j'avais des gens qui m'ont permis de découvrir toute cette richesse des potentiels qu'on peut exprimer.
Super, alors on va faire une petite pause musicale pour bien savourer toutes ces connaissances que vous transmettez. Alors c'est votre programmation, on continue avec un morceau qui s'appelle Heart Habitat Pavillon. Enfin, c'est l'album qui s'appelle comme ça et c'est le numéro 5. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui avec Édouard Stack et on parle de respiration et de chi et à partir d'un de ses ouvrages qui compte les vertus de la respiration consciente paru chez Trédaniel. Alors Édouard, je voudrais qu'on revienne sur le moment de votre vie où vous avez développé une relation privilégiée avec Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, et vous disiez que vous alliez les masser. Et donc, quel était ce massage, en fait? Alors, c'était une combinaison de massage sportif, dont j'avais l'habitude depuis déjà beaucoup d'années, de massage suédois
plutôt appris dans mon école de kiné, mais aussi du shiatsu que j'avais appris à l'école de Namikoshi Père et Fils à Tokyo pendant 2 mois et demi, et que j'ai continué à enseigner aussi bien au grand public comme massage santé, bien-être, que des professionnels. J'ai beaucoup de profs de yoga, d'esthéticiennes qui sont venus se former au shiatsu avec moi à cette époque. Et puis à partir de 1975, quand j'ai travaillé avec eux, j'avais été formé par Margaret Elk au massage californien. Et donc, selon les besoins, je mixais une technique ou une autre, mais j'écoutais leur corps, j'avais déjà une grande intimité avec les corps humains. Et je m'adaptais à leurs besoins. Quand ils étaient fatigués, je pouvais les dynamiser. Quand ils étaient tendus, les détendre. J'avais une bonne palette à ma disposition. Et j'étais d'autant plus le cœur ouvert que tous les deux étaient très humbles et très accueillants et très ouverts et très généreux. Donc j'ai adoré. Ils ont été mes derniers clients quand j'ai basculé vers la psychothérapie. C'est les derniers que j'ai lâchés. Et encore, Madeleine m'a donné la permission de partir. Ben oui, vous avez toujours ce lien avec les artistes aussi. Hein. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Et vous évoquiez vos relations avec le monde de la danse professionnelle tout à l'heure. J'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais pion à la fin de mes études à Poissy, une professeure de danse russe et avec qui j'ai dansé pendant 2 ans le ballet classique. Et comme j'étais haltérophile et que les danseuses n'étaient pas toutes légères, c'était apprécié que je puisse les soulever, même si moi j'étais un danseur assez médiocre parce que j'ai commencé tard et je me suis dégrossi avec la danse classique, mais j'aimais ça. Et la relation avec elle a été très amicale parce qu'elle ressemblait beaucoup à ma mère, donc elle m'a pris un peu sous sa protection. Et j'allais de temps en temps passer le week-end chez elle avec sa fille qui était danseuse professionnelle et sa maman qui avait été chanteuse d'opéra à Saint-Pétersbourg et qui avait chanté Carmen en Italie à la Scala de Milan plus de 300 fois. Et donc je me retrouvais avec ces 3 femmes russes dans une ambiance incroyable. Et ça m'a permis de rencontrer plus tard beaucoup d'autres danseurs, d'autres troupes qui sont venus voir quand j'étais installé comme kiné. Mmh. Ouais, quel parcours étonnant déjà hein, d'être haltérophile et d'aller danser, faire de la danse classique. C'est bien, ça réunit la partie énergie, les opposés. Énergie terre, énergie ciel, c'est magnifique. Ça. Alors maintenant, on va parler un petit peu du fonctionnement de la voix, parce que c'est quand même une base, et justement, vous avez une très belle expertise, vous en parlez bien. Donc, je vous cite dans votre livre, « En Grèce, le pneuma et le souffle, qui en latin se dit spiritus », donc on voit tout de suite le lien avec la spiritualité. Alors, comment cela fonctionne, la respiration ? Alors, dans la pensée chinoise, le corps a plusieurs niveaux de réalité. Il y a le corps physique, matériel, celui qu'on voit, le corps outil, et puis il y a le corps énergétique hein, qu'on découvre non seulement avec l'acupuncture, mais avec la méditation ou les pratiques psychophysiques comme le tai chi. C'est un changement de niveau de conscience. Vous savez que le mot souffle veut dire aussi bien l'air que l'on respire que la conscience, l'esprit. En chinois ou... Dans toutes les langues anciennes. C'est le chi ou le ki des Japonais, mais le chi en Chine, c'est le prana des Indiens, et donc c'est le ruach des Arabes et des Hébreux. C'est le même mot pour les Arabes et les Hébreux. Et oranda chez les Indiens d'Amérique. Et du coup, quand on rentre dans l'expérience de l'intériorisation, d'une conscience plus fine de l'énergie qui habite le corps, ça change complètement. Et vous êtes une artiste. Moi, je suis plutôt un luthier ou un accordeur de piano. Je connais bien toute la mécanique du corps, mais je sais jouer pour que le son qui sort de l'instrument soit plus raffiné, plus pur, plus net. Et ça a à voir avec la manière d'habiter son corps, de l'investir. Par exemple, un jour, j'ai une cliente qui est une diva suisse. Et avec un travail sur son cou et une manipulation ostéopathique, elle a gagné 1/2 octave dans la séance.
Et comme elle avait déjà 15 ans de pratique, c'était surprenant pour elle. Ouais. Et vous savez comment les résonateurs, dans la tradition orale française, on parle des résonateurs du visage, de la gorge, de la poitrine, du ventre, etc. Mais le corps n'étant que du vide, quand vous faites le vide par la méditation, votre corps se met à vibrer tout à fait différemment. Et c'est votre corps entier qui devient une caisse de résonance. Et la respiration, si on n'habite pas son corps pleinement, la caisse de résonance va être privée. C'est comme si on coupe les aigus ou les graves. Si je coupe les médiums et les graves, et que je me mets à vous parler comme ça avec seulement des aigus, ça ne va pas être agréable. Notre technicien n'est pas du tout content. Il manifeste. Il a bien raison. Une voix bien timbrée. Ouais. Il y a un instrument qui s'appelle l'oscilloscope, que j'ai découvert assez tôt, et qui permet, quand on entend une voix parler, de regarder la manière dont il y a les fréquences de grave, de médium et d'aigu rassemblées dans le timbre de la voix. Une voix bien timbrée, c'est celle où il y a tous les espaces et tous les niveaux vibratoires harmonisés. Ouais, c'est joliment dit. Alors, vous présentez le diaphragme comme une pompe. Alors, la métaphore, l'image, c'est la pompe à vélo. Quand vous tirez sur la poignée, vous faites rentrer l'air dans la pompe, puis après vous pouvez la renvoyer dans la chambre à air. Et en fait, c'est une coupole musculaire avec des fibres lisses, une double coupole, qui va se contracter, qui fait que le sommet de la coupole va descendre quand vous inspirez. C'est ce mouvement-là qui va aspirer l'air dans vos narines et amener l'air dans vos 5 millions d'alvéoles pulmonaires. Et quand les gens connaissent très mal leur corps, même les professionnels, et quand je leur demande où est le diaphragme, ils vont montrer le plexus solaire, l'angle des côtes. En fait, cette coupole, elle fait tout le tour de la cage thoracique et c'est un dôme qui fait la séparation entre la zone pulmonaire et la zone abdominale. Mmh. Et elle va comprimer tous les viscères de l'abdomen quand elle descend jusqu'à mettre de la pression jusqu'au périnée. Et dans les techniques de Qigong, on va contracter le périnée à l'expiration pour faire remonter le diaphragme encore plus haut. Et qu'on va augmenter la course du diaphragme et on va accéder mieux aux 60% des 5 millions d'alvéoles pulmonaires qui sont à la base des poumons. La plupart des gens respirent avec le haut des poumons et l'avant des poumons. Ils ne respirent pas avec leur dos, alors que la cage thoracique, les côtes partent du sternum et vont jusqu'à la colonne vertébrale. Mais on pense à ce qui est devant, visible, et on ne pense pas à sentir le corps en trois dimensions, ouais, dans sa globalité. L'investir vraiment toute cette capacité respiratoire que nous, les chanteurs, on connaît, parce qu'automatiquement, oui, on a des respirations en accordéon. On a quand même intérêt à développer notre... Il y a un enjeu particulier avec le diaphragme, c'est que dans son organisation, c'est la partie latérale et postérieure qui est la plus importante. Quand on fait du tai chi, on apprend à se mettre en dos de singe en effaçant la courbure des lombaires. Tout à fait. Pour aller respirer avec les basses côtes, les 11e et 12e côtes qu'on appelle flottantes. Et on va chercher l'énergie, en fait, dans les reins, l'énergie des reins, quand on dit avoir les reins solides ou qu'on va casser les reins à quelqu'un, c'est une métaphore pour les surrénales qui vont sécréter l'adrénaline, qui est l'énergie pour l'action. Mmh. Et donc, dans cette respiration basse postérieure, on va chercher l'énergie archaïque, l'énergie animale. Et on appelle ça chevaucher le tigre dans la pensée taoïste. C'est très beau. Se relier à l'animal en soi. Merci pour cet éclairage, parce que ce sont des choses que l'on sent quand on pratique les arts martiaux internes. Et là, vous savez aussi apporter un éclairage technique vraiment précis. Ça, c'est extrêmement précieux, je trouve. On continue un petit peu sur ce moment d'avoir des éclairages sur cette respiration. Comment se fait-il qu'elle peut nous détendre, la respiration ? Qu'elle ? Peut nous détendre. Ah, alors ça c'est assez simple. Prenons la métaphore d'une voiture. Dans une voiture, il y a le débrayage et l'accélérateur. Le débrayage, c'est le 10e nerf crânien qu'on appelle le nerf vague, qu'on commence à connaître de mieux en mieux, et qui est le déclencheur du ressourcement. C'est celui qui fait que vous perdez conscience quand vous vous endormez et que toutes vos fonctions vitales sont activées pour nettoyer vos toxines
Et le service de maintenance est très actif pendant que vous dormez. Et on peut être en micro-sommeil ou en état de relaxation profonde simplement en respirant lentement et profondément. C'est aussi simple que ça. Ouais. En prenant le temps d'aller au bout de l'inspire, d'aller au bout de l'expire, et en s'accordant ce temps-là, on bascule immédiatement dans un temps de récupération rapide. C'est le principe de la méditation. Oui. D'aller au bout de l'inspire, aller au bout de l'expire. C'est ça. Mais la plupart des gens ne respirent qu'avec 15 à 20% de leur capacité oui. et ne vont pas dans cette amplitude large. Et vous avez un poids culturel. Les gens sont tournés vers l'avenir, mais ils ne sont pas présents. Et l'anxiété se nourrit du va-et-vient entre le passé et le futur. Alors que l'instant présent, on prend le temps d'inspirer, ça permet de se ressourcer profondément. Très bien. Alors, on a très envie d'inspirer avec vous. Vous nous inspirez et on va... Profitez de ces respirations profondes en écoutant un autre des morceaux que vous avez sélectionné qui s'appelle Little Boat et c'est extrait du disque Heart of the Dragon Ensemble. FM 93.1. Alors, je suis aujourd'hui avec Édouard Stack et notre thème est la respiration et le chi. Et c'est absolument passionnant. Alors, il faut dire que dans le livre, il y a beaucoup d'exercices qui sont intéressants pour découvrir ces espaces respiratoires. Hein, je rebondis sur ce dont vous parliez tout à l'heure, Édouard. Alors, j'ai noté « Installer la posture de stabilité et l'alignement, menton rentré, courbure effacée ». C'est la posture des arts martiaux pour mieux respirer. C'est ce dont on parlait. Hein.
Il y a une dimension complémentaire au nerf vague et au calme qu'on peut trouver dans la respiration lente et profonde, qui est vraiment l'accroissement de la vitalité qu'on peut aller chercher. Et j'ai parlé d'accélérateur, donc on va parler de ça. Mais je vais donner la métaphore. Comment nommer ça ? Bon, je vais commencer avec l'accélérateur. Pour avoir la pleine puissance du moteur biologique, il faut pouvoir stimuler le sympathique, qui est la chaîne des ganglions le long de la colonne vertébrale, depuis la base du crâne jusqu'au sacrum et au coccyx. Et c'est le système qu'on stimule quand on fait la posture du cobra en yoga. Mais c'est aussi toutes les armées du monde, à toutes les époques, quand elles se mettent au garde-à-vous, ça crée une tension dans le dos qui va stimuler ce système sympathique pour l'action. Et la posture du repos, c'est un enroulement de la colonne qui va justement stimuler le nerf vague. Et il y a une image que tout le monde a dû voir il y a 30 ans, qui est une publicité de Perrier entre une femme et une lionne qui se disputent une bouteille de Perrier en haut d'un petit monticule, et elles rugissent. Et la femme a le visage déformé par un morphine qui l'a fait ouvrir une gueule de lionne extraordinaire. Eh bien, si on expire puissamment, rapidement, en montrant les dents, on va réveiller la partie animale archaïque chez l'être humain. Et la langue populaire dit les choses avec beaucoup de bon sens. Savoir montrer les dents, c'est justement charger avec ses surrénales le corps et le système sanguin d'adrénaline pour être prêt pour l'action. Après, moi, ça m'a servi pour grimper en passage difficile en montagne, en premier de cordée, avec 500 mètres de vide en dessous. Gérer la peur, c'est possible quand on va chercher cette puissance-là. Quand j'ai un sportif qui va mener un combat de boxe, un championnat, s'il n'a pas envie de dominer son adversaire, il peut rester dans le vestiaire. Alors que s'il est en possession de ses moyens, ses coups ont plus de puissance, il sera plus plissible, plus rapide. Mais ça sert aussi pour travailler. J'ai couru des marathons et au 35e kilomètre, je rugissais et je retrouvais de l'énergie pour les derniers kilomètres pour aller à fond la caisse. Bon, bah c'est très intéressant ce que vous nous partagez là, hein, cet aspect-là de rugissement, de montrer les dents et le nerf vague. Et alors, lorsqu'on montre les dents, est-ce que ça implique en fait le fait d'ouvrir grand la bouche ? Alors, je voudrais vous dire une petite chose de plus pour les auditeurs, c'est que rugir deux, trois fois, ça a l'effet d'une tasse de café bien serrée. Et il y a un moment où c'est vital, ça peut vous sauver la vie, c'est dans les micro-sommeils, quand vous conduisez de nuit et que vous êtes fatigué. Soit vous arrêtez pour dormir 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, soit vous rugissez pour rester vigilant et ne pas vous endormir. Alors rugir, ça veut dire faire du bruit. On prend de l'air et on chasse l'air en faisant du bruit, en faisant le bruit du rugissement et en montrant les dents. Génial. Et ça va vraiment relancer l'énergie dans le corps quand on a un coup de fatigue. J'ai réussi à aider une jeune femme déprimée qui était sous antidépresseurs et en quelques mois, elle a pu se stimuler toute seule et abandonner progressivement les antidépresseurs. C'est formidable. Merci vraiment pour ce partage. Alors, on va aborder maintenant notre thème, hein, qui est ce qui correspond au chapitre 10 de votre livre, le souffle en Chine. Alors, peut-être vous pourriez nous donner votre définition du qi, en fait. Alors, vous me permettez de vous parler un peu d'alchimie chinoise ? Ah, complètement ! La pensée taoïste sous-tend l'acupuncture et sous-tend les pratiques psychophysiques comme le tai chi et le qigong. Et donc, il y a deux idéogrammes pour parler de l'être humain. Zhen, c'est l'homme qui marche et qui n'a pas de tête et pas de bras. Et Wang, l'empereur, il est ouvert aux influences du ciel et de la terre et actif dans le monde des hommes. Et en fait, l'homme, dans la tradition chinoise, est un double canal avec les méridiens yin qui partent de la terre et un point sous la plante des pieds qui s'appelle source bouillonnante pour capter les énergies de la terre. Et les méridiens yin vont emmener l'énergie de la terre vers le ciel, quand on a les bras levés vers le ciel. Et les méridiens yang vont attraper l'énergie du ciel par l'extérieur du corps pour l'emmener vers la terre.
Donc l'homme est un transformateur et un médiateur entre le ciel et la terre, qui est tout à fait classique. Mais énergétiquement, ça marche comme ça. Et il y a dans le système énergétique trois foyers qu'on appelle Ara au Japon, qui est le foyer inférieur, et qu'on appelle Tantien en chinois. Et c'est l'énergie ancestrale, c'est l'énergie vitale dont on a hérité par la génétique. La deuxième énergie, c'est celle du cœur, avec l'énergie du souffle et l'alimentation au niveau biologique, mais l'énergie du sentiment juste, puisque les Chinois mettent l'intelligence dans le cœur. Et le troisième Tantien, c'est entre les deux sourcils, et c'est l'équivalent du sixième chakra. Donc ouais. C'est deuxième, quatrième, sixième chakra. Et l'alchimie chinoise, c'est de rassembler la conscience des trois foyers énergétiques en même temps. Et là, il y a un parallèle intéressant. La phrase rituelle pour dire ça, c'est marier le jeune homme des reins avec la jeune fille du cœur dans la chambre jaune, espace d'un pouce, entre les deux yeux. C'est charmant. Donc, c'est noces alchimiques dont il s'agit. C'est charmant. Mais en fait, vous avez à l'abbaye de Jouarre un Christ taillé sur un baptistère au 7e siècle qui montre le Christ entre les quatre évangélistes avec le taureau, le lion et l'aigle. Et c'est exactement la même symbolique alchimique. Si vous êtes en contact avec votre puissance animale, le Minotaure, dans le labyrinthe, avec l'énergie du cœur et Charcœur de lion, avec la noblesse de cœur et l'amour oblatif, et puis la conscience dont parle Alexandra David-Neil chez les Tibétains, la conscience de l'ici et maintenant, c'est le cortex préfrontal qui perçoit les situations. Et percevoir, ce n'est pas penser. C'est de la conscience occupée à percevoir. Et donc l'énergie, si vous maillez ces trois énergies-là, vous allez être un être humain entier, roi dans son propre royaume, en maîtrise de votre corps et de vos énergies. Et donc si vous parlez que de l'énergie des muscles en faisant de la gonflette, ça ne va pas suffire. Mais la force de conviction d'un artiste, quand vous chantez sur scène ou qu'un comédien interprète au théâtre, il va toucher ses spectateurs par sa façon d'être, sa façon de s'engager pour interpréter la chanson ou la pièce de théâtre. Et oui, les artistes du spectacle vivant, même s'ils n'en ont pas conscience, utilisent l'énergie. Oui. L'énergie dans ce sens-là, ce chi. Donc je vous cite, hein, « Loin de se limiter à l'air, le chi est avant tout un élément cosmique, un rayonnement de tout corps dont on peut s'enrichir par l'intention. » Alors, ce chapitre est écrit par Catherine Despeux, qui est une de nos plus grandes sinologues françaises, qui a enseigné le chinois dans l'université des langues orientales, mais qui a traduit toute sa vie des textes anciens de médecine chinoise traditionnelle et de philosophie chinoise bouddhiste et taoïste. Elle a écrit de très nombreux livres, dont un traité d'alchimie chinoise qui s'appelle le Zhao Bishen. Mais elle en a écrit beaucoup d'autres, Le chemin de l'éveil, Passe sans porte. Je la connais et en fait j'aurais aimé l'inviter, mais on m'a dit qu'elle ne donnait plus d'interview. On se connaît depuis plus de 40 ans avec Catherine Despeux. Je l'ai rencontrée dans les congrès d'acupuncture dans les années 70. Et elle a eu la gentillesse d'écrire ce chapitre. Je trouvais qu'elle pouvait en parler beaucoup mieux que moi et de façon plus légitime. Vous en parlez très bien aussi. Alors, on pourrait dire encore quelque chose d'intéressant. Je trouve, c'est cracher l'ancien, absorber le nouveau. Alors ça, j'ai fait des retraites avec un psychiatre mexicain et lui a travaillé beaucoup avec les chamans mexicains. Et je mène des retraites depuis plus de 40 ans où j'introduis, comme je l'ai fait avec Deshimaru lui-même, des temps de méditation et puis des temps de réflexion sur le sens de sa vie, puis des moments de partage sur les sources pour rééquilibrer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses choix, être clair sur ses priorités. Vous faites ça à Bali, me semble. Alors j'en ai fait un peu partout, j'en ai fait en Provence, j'en ai fait dans le sud-ouest, en région parisienne. Et là j'ai trouvé un nouveau lieu, parce que j'avais une maison natale qui m'a beaucoup servi pour ça, près de Cognac.
Et j'ai trouvé un très beau lieu entre Montargis et Gien, avec 5 hectares, avec des arbres, des chênes magnifiques en pleine campagne. Et j'ai fait une première retraite là et j'en ferai une autre au mois de mai, début mai, où on pourra pratiquer ce genre de... Donc cracher l'ancien et absorber le nouveau. Voilà, voilà. Alors le changement est permanent. C'est ça. Alors dans ce changement dans lequel nous sommes, évidemment, pendant ce moment d'émission, on écoute le dernier morceau de votre belle programmation musicale. C'est un musicien et musicothérapeute que j'ai découvert avec vous, Renaud Gillet. Et c'est le morceau Aguananda. Alors comme je le fais depuis quelque temps, je vous invite à danser. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Cacharango y cuatro, toco un bolero. Cacharango y cuatro, canto un bolero, el bolero del mar. Cacharango y cuatro, toco un bolero. Charango y cuatro, canto para el mar. Cancharango y cuatro, toco un bolero. Cancharango y cuatro, canto para el mar. Vuelvo para sentir la fuerza del amor, amor de ti, amor del mar. Vuelvo para sentir la fuerza del amor, amor de ti, amor. Je suis toujours avec Edouard Stack aujourd'hui et on a écouté Pèlerination d'un charango. Alors, pour finir cette question du chi et de la respiration, avec qui avez-vous étudié, pratiqué les arts martiaux internes en Chine, en fait, il me semble. Alors, j'ai eu plusieurs instructeurs, on va dire. J'ai eu par exemple un ancien banquier chinois qui a émigré aux États-Unis et qui a publié un très joli livre sur le Tao Te Ching qu'il a illustré de ses propres peintures. J'ai rencontré des Français qui sont allés à Taïwan, dont un acupuncteur d'Épernay qui est décédé maintenant et qui nous a enseigné une forme yang de 36 mouvements, qui est celle que j'ai enseignée moi-même.
D'accord. Et j'ai emmené plusieurs fois des groupes professionnels en Chine. Une première fois en 81 avec, avec une agence de voyage. On était le premier voyage officiel à être en Chine pour apprendre les techniques. Et on a passé une semaine de stage à Nankin avec un couple d'instructeurs. Et j'ai envie de dire que il y a plusieurs dimensions à l'art interne. Dans les arts martiaux, les gens maintenant font du sport et font de la compétition, mais ils ne sont plus dans cette présence et dans cette compréhension de l'intention. Un de mes amis est champion d'Europe de kendo, et il est 7e ou 8e dan de kendo. Quand il est au Japon, il travaille avec des vieux maîtres, avec des sabres réels extrêmement tranchants. Et donc, cette clarté de l'esprit, cette clarté de l'intention, beaucoup de sportifs n'ont pas cette force mentale, cette concentration qu'on développe réellement en Asie. Vous faites bien de le signaler, c'est en effet un des grands problèmes, puisque pour exister, il faut faire partie de fédérations gymniques, etc., en Occident. Donc souvent, la notion d'art martial, qui est très différente en fait, hein, il y a le mot art, c'est avant tout un travail sur soi et un petit peu détourné de sa vocation réelle, ancestrale, qui est pour en devenir quelque chose de trop gymnique. Dans mon premier voyage en Chine, j'étais encore très athlétique, j'avais 37 ans. Et à Shanghai, il y a un vieux monsieur de 80 ans qui me fait faire le pushing hands, le travail à deux mains, en alternance. Et puis il me balade et j'arrive pas moi à l'attraper et lui il me balade. Et quand j'ai compris de quoi il s'agit, c'est de la dialectique dans le jeu d'influence. Et si on est dans n'importe quelle négociation, n'importe quel débat, et qu'on est dans cette vigilance, cette attention, cette compréhension profonde de l'être de l'autre, de sa stratégie, dans Sun Tzu, l'art de la guerre, on dit c'est le diplomate qui est le plus puissant. Parce que sans armée et sans budget, il est capable de retourner une situation parce qu'il la comprend. Et cette intelligence de soi et de la vie et de la relation aux autres qui me semble vraiment intéressant. Oui, vous faites bien de le dire. On apprend plein de choses dans ce livre. Le fait que le Qigong est un terme un peu moderne, assez récent, qui rassemble les Yang Sheng, les pratiques pour nourrir la vie. Et vieillir en bonne santé. Oui. Ça, c'est sûr, c'est important. On n'a pas eu assez le temps de parler de la vigilance, en fait. Si, vous en avez quand même parlé beaucoup, dès le départ, en fait. Mais voilà, l'émission est beaucoup trop courte avec vous. Il faudra que je vous réinvite. Alors, parlez-moi un petit peu de votre actualité. Alors, depuis 10 ans, j'ai modélisé la méthode Vital Respire avec ma femme qui travaille avec moi depuis 30 ans et qui, elle, est influencée par la tradition indienne, l'Ayurveda, le yoga, alors que moi, c'est plutôt la Chine, le Japon. Et on enseigne cette méthode à des professionnels avec un parcours certifiant de 9 jours, assez complet, où on apprend l'anatomie, la physiologie, la psychologie globale et la pédagogie pour l'enseigner. Et puis, avec un autre collègue, je monte cette année un laboratoire de recherche sur le corps conscient. Lui est déjà prof de sport depuis 25 ans, il est coach, il a un très beau parcours. Et on va faire intervenir Eric Collier, qui est un enseignant de tai chi belge depuis 30 ans, et qui est anthropologue, non seulement un sportif et un champion, mais un anthropologue du corps, et qui a écrit plusieurs livres sur les méthodes de tai chi. Et on va travailler sur cette compréhension qu'on a évoquée aujourd'hui du corps global dans sa dimension sensible, émotionnelle, mentale, etc., ou même corps imaginaire, pour le modéliser, pour transmettre à d'autres professionnels. Super. Alors, il y a une définition peut-être qui vous plaira, que je tiens de Martine Larba, qui est une experte quand même en taoïste, il faut bien le dire. Et elle parle de corps énergétique. Je trouve que c'est assez joli pour en parler. Alors, bientôt une publication, Edouard, je crois. Oui, il y a un nouveau livre qui va s'appeler « Trajectoire de vie, choisie ou subie ». J'ai accompagné beaucoup de gens pendant un demi-siècle.
Et donc, je porte un regard au travers de 25 biographies courtes sur des parcours de vie, en commençant avec Bill Clinton, Nelson Mandela, Václav Havel, l'ancien président tchèque. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un président humaniste alors qu'on a les pleins pouvoirs et qu'on n'en abuse pas ou d'autres trajectoires de vie de gens connus ou moins connus, mais dont je tire quelques enseignements pour que chacun trouve sa propre voie. Eh bien, écoutez, je suis très impatiente de le lire. Ça a l'air absolument passionnant. Un grand merci pour votre venue. Vous reviendrez, je l'espère. Alors, à ne pas manquer cette semaine qui arrive, le très beau solo de Karine Gonzalez qui s'appelle « À Solas » au 100 ESS, 100 rue de Charenton. Du 6 au 10 février, c'est vraiment une danseuse de flamenco exceptionnelle, contemporaine, qu'il faut absolument voir pour sentir sa vibration. Alors, nous changeons de créneau horaire dans Respiration. Les prochains rendez-vous seront les 2e et 4e mardi à 17h. Donc la prochaine fois, ce sera mardi 27 février à 17h pour un thème... Respiration et massage, une rencontre avec Galia Ortega pour la parution de Carnet de voyage au cœur du massage, des récits intimes d'une passionnée de la voix du toucher. Et c'est un livre paru à compte d'auteur. Un grand merci à Enrico Mastro Giovanni pour la prise de son aujourd'hui. Je vous souhaite une délicieuse journée. Vous écoutez Aligre FM 93.1.